Eric Ozon, vous êtes président de l'Automobile Club. Bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans cette voiture qui est la première voiture inscrite pour la nouvelle édition de la Prom du Cœur 2017-2018. C'est une voiture star. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors tout d'abord, c'est une voiture anglaise, c'est une MGA de 1957. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a été commandée par Max Cartier, qui habitait à Saint-Tropez. Et en 1957, il a prêté à Alain Delon, qui l'a conduite avec Romy Schneider et Jean-Claude Brialy. Voilà. Donc, on le disait, c'est la première voiture inscrite sur la Prom du Cœur. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Prom du Cœur et à quoi est-ce qu'elle sert ? Alors, la Prom du Cœur, c'est une action caritative. L'objectif, c'est de récolter de l'argent pour une association qui s'appelle Enfants et Santé Cancer. Le concept de base, c'est des tours de voiture qui sont payants. Donc, en fait, le don, c'est de tours de voiture. Donc, combien y a-t-il de voitures qui sont inscrites en général pour cette Prom du Cœur et à qui appartiennent les voitures ? Alors, en général, il y a entre 50 et 60 voitures chaque année. Les voitures appartiennent à des collectionneurs et surtout à des collectionneurs membres de club et membres de l'Automobile Club de Nice. Cette année, on va essayer de faire une manifestation un peu plus importante. Donc on espère accueillir 100 voitures, un peu plus de 100 voitures sur les deux jours de la manifestation. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'Automobile Club de Nice pour prêter une voiture pour la Prom du Cœur. Non, pas du tout. En fait, il suffit juste d'être possesseur d'une voiture de collection ou de prestige pour pouvoir venir participer à la Prom du Cœur et donner un peu de son temps. Et comment on s'inscrit ? Alors, il y a deux solutions. Ou sur Internet, on a un site qui s'appelle www.promducœur.fr. Donc là, il y a des formulaires en ligne qui permettent de s'inscrire rapidement. Ou venir se déplacer au club et on a une secrétaire qui se fera un plaisir d'aider tous les participants à s'inscrire. Merci pour ces précisions et à bientôt pour la Prom du Cœur. Merci à vous.